surprises sont surtout tous les matins casser la glace dans les abreuvoirs pour que les animaux puissent aller boire. Ensuite, on vérifie si tout va bien et on a une nourriture normale des animaux. La plupart des animaux un peu exotiques que l'on possède viennent de l'hémisphère sud, donc soit du Chili, soit d'Australie ou d'Afrique du Sud. Donc ils ont un peu ces hivers-là, donc ils sont résistants. Tout ça dépendra de l'intensité du froid. Oui, c'est, effectivement, la végétation était un peu démarrée, donc ça va la ralentir, mais le froid était progressif, alors on pense qu'il n'y aura pas trop de dégâts.